mean, you drive a nice whip, you know what I mean? And they don't, all right? Most parents will become... Bonjour les Américains et les Canadiens, ne dormez pas. Je sais que c'est le meilleur moment chez vous là-bas. Donc j'ai une petite inspiration pour vous, petite motivation. Je sais que beaucoup de personnes sont assez surprises. On commence à vous jalouser. On commence à être sincèrement jalouse de toi. Et tu pensais même quoi? Il y a les gens dans votre entourage. Ils sont contents quand vous prenez sur place. Tu es là, tu tournes. On t'observe. Tu fais tel business. Après, tu fais tel business. Après, tu fais tel business. On te regarde. Tu publies, tu partages sur les WhatsApp. Il regarde. Tu lances ta chaîne YouTube depuis 5 ans. Il regarde. Il part te regarder dans tes vidéos, il ne like pas. Tu persévères. WhatsApp, écrivez-moi encore. Hein. Chaque jour, levez-vous et vous m'écrivez. Et vous lavez avec le sel. Et si vous n'avez pas encore pu me parler, écoutez mes messages. Regardez mes vidéos. Quand on va s'aligner sur la même fréquence, je vais vous parler. Beaucoup de membres de votre famille, amis même, ils vous guettent. Tu travailles tard dans la nuit, on ne regarde pas. Tard. Dès qu'on voit qu'un des trucs que tu as fait commence à marcher, c'est la jalousie que tu veux voir. Pourquoi tu achètes le jalab ici? Pourquoi tu achètes le jalab boisson ici? Pourquoi tu veux vivre dans une grande maison? Pourquoi tu veux... Et ils vont même venir vous snober. Faire comme s'ils veulent acheter vos produits. Ils vont faire comme s'ils veulent acheter vos produits. Hein. En fait, ils ne veulent pas acheter vos produits. Ils vont faire comme s'ils veulent la consultation. Ils ne veulent pas la consultation. Ils ne veulent pas la consultation. Ils sont seulement là pour vous frustrer.
Elikia, je sais que je dégage quelque chose de fort. Merci de l'avoir remarqué. Si vous ne faites pas attention, avant il savait que là où vous a déposé la haine, vous allez tourner, vous n'allez pas avoir de gars. Vous allez faire votre chaîne YouTube, on ne va jamais avoir les vues. Après, on voit que tu as 1 000 abonnés. Tu fais tes posts, tu as 100 likes. Tu cotises de l'argent pour faire tel projet. Tu cotises de l'argent, on te voit, tu pars aider un orphelinat. Tu crois même que quoi? Ils vont se lever sur toi. Ils vont d'abord venir avec les paroles. Hein? Et vous allez voir que ces personnes ne vont jamais participer à quelque chose que vous faites. Jamais. Jamais. Tu vends un produit, n'achète pas. Tu mets tes choses, ils ne partagent pas. Tu fais tes vidéos, ils ne partagent pas. Vos décepticons sont dans mes vidéos. Ils vous guettent. Certains, vous allez faire 2 comptes Facebook. Vous connectez avec un autre nom pour me suivre. Parce qu'ils vous guettent. Et après, quand ils vont voir que quelque chose marche déjà, marabout, bloquez-moi la physique. Bloquez-la. Bloquez-la. Elle croit qu'elle est qui? Elle croit qu'elle est qui? Donc voilà, tu restes. Tes clients commencent à faire comme ça. Rappelez-vous voilà, toujours de ce passage. Proverbe Tes 4, clients commencent à faire comme ça. verset 18. Proverbe 4, verset 18. Toi, tu es juste. Parce que tu es Dieu, parce que tu aimes Dieu, parce que tu écoutes Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Romains 8, verset 14. Proverbe 4, verset 18 dit maintenant que la lumière du juste va dans l'ordre croissant. Je vous en prie, ne regardez pas mes Decepticons. Je parle des Decepticons. Mes Decepticons sont dans mon direct. Donc bonsoir mes Decepticons. Vous êtes depuis à 2 heures, vous me regardez. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes debout à 2 heures, vous me regardez. Et vous me détestez. Ah. Wonderful. Vous m'avez gagné. Mais ce qui me plaît, c'est que quand vous vous pointez, ça me fait une vue. Quand vous délikez ma vidéo, ça me fait encore. Ça monte dans les chats. Vous avez compris. Le jour où j'ai eu la révélation du Proverbe 4, verset 18, la lumière de Jocelyne va dans l'ordre croissant jusqu'au top de la journée. Donc de 6 heures à 12 heures, le soleil fait comment? Ça augmente seulement. C'est voilà votre lumière. Vous devez laisser que le passage là, ça vienne dans vous comme la lumière, la révélation. Tu restes un beau jour, ça fait tcha! Tu dis que c'est fini. Je ne peux plus jamais souffrir. Il vous guette. Et quoi qu'elle est qui? L'autre m'a même dit que dès qu'elle a commencé à me suivre, acheter mes produits, son mari, il a même fermé la boutique qu'il avait ouverte pour que j'aie.
Il a fermé. Donc, il a vu que son agent augmentait déjà. L'agent de la femme. Il a dit que je vais fermer. Donc, tout moyen que tu avais, ça te donnait l'argent, ça me donnait moi-même. Je vais fermer. Un homme que tu dois avoir lui à la maison sur le même lit. Vous allez voir. Attendez. Cop, tout, ouais. Peut-être tu fais partie des gens qui doivent supprimer. Tu as compris? Je bloque les gens sur ma page jusqu'à une blague par moi. Tu comprends, non? Je bloque moi. Oh. Je bloque. Donc, si tu viens ici, là, tu fais un peu Jacques, ni, ni, ni. Tu vas seulement créer 5 comptes pour me suivre. Et quand ils vont vous guetter comme ça, ils calculent parce qu'ils veulent, ils veulent vous atteindre. Ils veulent vous toucher. Ils veulent vous toucher. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous me suivez, vous mettez le cœur sur un homme ou une femme. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Le corps, ce n'est pas pour pleurer. C'est pour bosser ton argent. Il vous check. Et ma page est tellement exposée maintenant que beaucoup d'entre vous, je vous dis, créez un deuxième compte pour me suivre. Parce que quand ils tombent sur ma vidéo, ils voient que vous avez vu. Comme tout, tu regarde comment il te supprime. Regarde comment il te supprime. Vous voyez comment il blague avec vous. J'ai fait la dictature sur ma page. Oh, ah. Ça ne vous plaît pas, vous quitter. Ouais. L'autre jour, j'ai envoyé, on a acheté la marchandise au marché. Ils sont arrivés chez un Nigérien. Ils me disent que le père, là, quand il te vend, ce n'est pas toi qui dis ce que tu veux. C'est lui qui te dit ce qu'il te vend et comme il te vend. S'il te dit que je ne te vends pas moins de 1 kilo, tu montes, tu descends. Il te dit que tu ne veux pas être chasse-nous. Et tout ça, quand on m'a parlé du père, là, j'ai dit que je dois rencontrer l'homme si un jour. Quand tu connais que ta chose est bien, tu ne marches pas avec les gens. Parce que tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu vaux. Vous avez trop marché dessus. Trop. Tu passes les gens disent que waouh, tu es belle, ma chérie. Waouh. Tu as l'argent, monsieur. C'est que tu as l'argent. On peut voir le genre de personne avec qui tu sors. Maman. Donc tu as accepté les choses. Tu as accepté. Je suis là pour vous réveiller. Vous allez que vous réveiller. Que sauf. Mamie, écoute-moi, le jour où tu vois que tu peux me parler, je me parle. Il y a des gens qui m'écoutent ici depuis 3 mois, ils ne m'ont jamais contacté. Donc tu n'as pas forcément besoin, je suis tellement busy. Tu n'as pas besoin de venir et te consulter. Tu as compris. Écoute seulement. Même les gens qui me détestent, les gens qui sont allés chez les marabouts contre moi, ils me regardent chaque soir. Ils viennent checker. Qu'elle a fait comment aujourd'hui? Ils n'ont plus besoin du miroir ou de la boule. Ils viennent seulement sur mon Facebook. Le cœur, tu pompes le sang avec. Ça veut changer de fonction. Tu dis que le cœur ne t'amuse pas, ce qui va te supprimer. Parle à votre corps. Ouais. Bonsoir et bonjour.
Vous restez là, on vous menace. C'est le père de mes enfants. Tu fais un petit commerce, il te décourage. Et toi, ta main est tellement bien que quand tu touches quelque chose, ça marche. Tu payes ta dîme, tu fais tes lavages, tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu fais. Dès que tu mets ta main sur quelque chose, ça marche. C'est pour ça que son âme, c'est le découragement. Il check vos statuts. Hein. Sharon, tu ne connais pas l'histoire d'Anatole. Tu ne connais pas Anatole. Anatole, c'est mon coq. Il est beau. Il est élégant. Quand il est arrivé chez moi, le premier jour, il avait 10 femmes. Il a maintenant 11 femmes. C'est un coq de Bonapriso. Bonapriso, c'est là où il y a les grandes maisons. Les routes sont larges. Il n'y a pas déjà de trous. Dès qu'Anatole arrive ici, on a déjà donné le nom de son ennemi là. Balthazar. Balthazar. Dès qu'Anatole arrive, je sors le matin, je reviens à 10h. Je trouve Balthazar sur la tête d'Anatole, en train de le piquer. Balthazar, c'est un maigrichon coq. Aux allures de bandit. Quand il te voit, il fait comme ça. Il n'amène pas les filles au restaurant. Quand il entre ici, il monte seulement sur les coqs, les poules. Anatole les amène au restaurant. Je vais vous faire une photo demain quand il entre les amène au restaurant. Anatole est élégant. Anatole vit bien. Si vous voyez là où il est pêché maintenant, là, il a 5 filles à côté ici, là. 2 sont en haut dans l'arbre. 3 sont en train là-bas. Je trouve Anatole. Balthazar est sur sa tête. Pourquoi tu es beau? Pourquoi on t'aime? Pourquoi tu as beaucoup de femmes, je n'ai pas? Pourquoi tu es dans la barrière? Pourquoi on te donne un tue? Vous me demandez pourquoi les gens vous détestent. Vous me demandez pourquoi les gens vous détestent. Ma chérie, tu es belle. Seulement pour ça. Écoute-moi. Voilà un motif. Comme elle est belle là, elle ne va pas se marier. On part chez le marabout. Bloquez-moi l'enfance. Pour certains d'entre vous, on a fait ça quand vous étiez petit. Hein. Tu es parti en vacances chez une tante. Elle prend le toit et dit à tout le monde que lavez-vous avec ça, faites ça. Elle fait pour toi à côté. N'envoyez pas vos enfants chez n'importe qui. Tu restes comme ça là, tu arrives chez une tata un jour. Son neveu est venu du Brésil ou bien de je ne sais où, de Paris. Il te voit, il flash sur toi. Il dit que ma mère, j'ai toujours fui les femmes, mais celle-ci, je vais l'épouser. Voilà la femme de ma vie. Tu es toi là comme ça, simple, belle, ton étoile. Il fait le toque. Donc, il peut voir, il peut se présenter devant ta famille après 3 semaines. Il dit que c'est toi. Comme il rentre comme ça là. Il dit que comme il rentre, il va faire tes papiers. Il revient t'épouser dans 2 mois. Tu montes. Reste avec lui. Comme il a parlé comme ça là. Les Balthazar vont sortir sur ton cas, ma chérie. Tu vas voir. Comme il est monté, là, on va le bloquer là-bas. Il va arriver, on va prendre ses papiers. Il va avoir problème avec la police. Après, il va ceci, cela. Il va même faire encore 10 ans dehors. Il n'a plus passé au pays. Parce qu'il avait dit qu'il devait venir t'épouser. Vous me demandez pourquoi les gens vous détestent. Vous me demandez pourquoi les gens vous détestent.
Tu as grandi chez ta tante. Elle a trois filles. Cendrillon, non? Tu l'aides, tu fais tout. On dit que non, tu vas te marier. Mes trois filles qui sont ici, elles ne se sont pas encore mariées. Pourquoi c'est elles que vous prenez? Et pas chez le marabout. Bloquez-moi la fille ici. Tant que mes enfants ne se marient pas, elles ne se marient pas. Parfois, elles partent même dire à ton fiancé qui est venu voir, oh maman, tu es la mère, tu es quand même la nourrice de ma fiancée, non? C'est toi qui l'as élevée, non? Est-ce que tu connais qu'elle a avorté quand elle avait 16 ans? Est-ce que tu connais que ça fait seulement 2 mois qu'elle a quitté un gars? Hein? Parfois, ça fait tellement mal aux gens. Ils ne peuvent pas se retenir. Croyez aux actes des gens. Pour ta mère, alors n'en parlons plus. Parfois, c'est ta mère biologique. J'allais dire même père, même mère, que c'est ta mère, même père, même mère. Tu es sorti de son ventre. Pour elle, c'est toi qui as arrêté sa vie. Dès qu'elle te voit, c'est chien et chat. Te gronder, te taper, te chasser. L'enfance là. Tu dis, maman, c'est quoi? Mais maman. Maman, Nawiti. Parfois, c'est le père. Il ne veut plus. Il n'a jamais voulu entendre parler de toi. Dès que la mère dit que tu es enceinte, il a haï ta mère depuis que tu es dans le ventre de ta mère. On dit, papa, pardon, tu es son père biologique. Viens seulement t'asseoir à la dot. Ne fais rien, n'apporte pas l'argent. On va tout payer. Ne fais rien, le père. Viens seulement t'asseoir, tu fais acte de présence. Ouf. Il vient gâter ton mariage. Il vient gâter ton mariage. Ton propre père. Vous avez bêtement fait confiance aux gens. On a gâté vos mariages. Tu es là, tu as 42 ans, 45 ans. On a bouché vos trompes. Tu as un enfant, 15 ans. Tu as même accouché un enfant, il est mort. Tu es là comme ça. Écoutez, je suis venue te sortir du trou là où on t'a laissé. Mais que ta vie est finie. Tu vas accoucher à 47 ans. Écoutez-moi bien. J'ai reçu une dame aujourd'hui. Elle me dit qu'elle a 42 ans. Son enfant a 13 ans. Elle ne saigne plus depuis 2 ans. Donc depuis qu'elle a 40 ans, elle ne saigne plus. Elle est venue la première fois. Elle se lavait pour sel. J'ai seulement regardé à distance. Comme ça, j'ai dit, pas. Va te laver au sel. L'argent qu'elle avait payé pour la consultation, elle a pris les produits, elle est partie avec. 2 jours de lavage, 3e jour, elle rêve qu'elle est en train de saigner. Elle a rêvé 2 fois déjà qu'elle est en train de saigner. Je lui dis que ma chérie, je n'ai même pas encore commencé mon travail sur toi. Je n'ai pas encore commencé. Vous allez accoucher, tu commences à accoucher à 42 ans, 43 ans. Tu fais encore 3 enfants. On a trop enterré vos vies. Tu es là comme ça, tu es là, fini. Tu es inquiet. Inquiet. Tu es venu accompagner les gens sur la terre.
Dieu m'a envoyé que je suis là pour terrasser les œuvres du diable. Actes chapitre 10, verset 38. Oui, même les amis font ça. Tu sors avec un homme. Il te trouve dans ta vie quand tu es à terre. Et tu lui dis que comme tu me vois, je suis à terre comme ça, ce n'est pas moi. Mes choses vont marcher. My things go waka. Il te dit que, ah, premier mois, il paye ton loyer. Tu lances ton activité, tu sais le cœur, tu pousses, tu payes, tu commences. Troisième mois. Tu te mets comme ça, tu le dépannes même souvent. Ça commence à l'énerver. Saline. Donc, ma chérie, tu vois ça, Roa. On te fait les compliments, ça l'énerve. Tu parles au Flina, tu fais les dons. Tu arrives là-bas, on prie pour toi. Hé, hey, maman, merci. Hé, hey, maman, que Dieu t'a tourmenté. Que Dieu, il est à côté de toi comme ça là. Son galico. Galico. On ne vous a pas encore détesté. Ils vont voir. Votre vie commence seulement. Bonsoir, Pablo. Je suis là pour terrasser les œuvres du diable dans votre vie. 2022, si vous allez conduire la voiture neuve, payée, écoutez-moi bien. Vous allez conduire la voiture neuve, payée totalement cash. Le 14 janvier. Le mois de janvier, si vous allez faire le chiffre d'affaires de 6 mois de l'année passée, ce que vous gagnez en 6 mois, vous allez gagner ça en un mois. Donc là où ils vous ont mis là, ils savent que même si on multiplie les dizaines, on emprunte les centaines, tu ne peux pas t'élever. Ils ont menti. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 16, sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la vallée de la mort, dont on t'a laissé là-bas, on t'a jeté, on a fermé la porte. Une lumière s'est levée. Je suis cette lumière. Donc, dans votre salon, vous avez laissé. Donc, voilà, à 2 heures, tu tombes sur Facebook. Pam! Quelque chose prend vie dans toi. Tu sens comment ton cœur, ta confiance commence à revenir. Tu sens ton cœur que je... Hé, hey, mes rêves. Ma voiture. Mes terrains. Mes maisons. Ne vous inquiétez pas, la Bible dit, je suis là pour vivre la Bible, je suis la parole. La Bible dit, il dresse une table devant moi, en présence de mes ennemis. Ils vont venir à votre couronnement. Ils seront là. Parce qu'avant vous vous disiez, maintenant que j'ai... Il ne faut pas qu'il sache. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Donc, ce sera la Hora. Tu crois que si tu construis le château, on ne va pas voir. Tu construis le château, on ne va pas voir. C'est là. Roline, ma page n'est pas pour pleurer. Écoute-moi. Mets le sel dans l'eau, tu te laves avec matin et soir. Ne paye pas ma consultation, ne viens pas que te consulte. Fais-moi les deux choses là. Tu vas voir. La puissance qui travaille en moi va travailler en toi.
Les plénicheuses, là, je ne suis pas une plénicheuse. Je ne suis pas la reine des plénicheuses. Je dors comme ma vie dort, mon frère. Je dors pourquoi? Tant que tu ne dors pas, pourquoi? Vous allez voir comment. Je dis que j'ai les témoignages que jamais souvent me disaient. Vous allez rire seulement. Une m'a dit aujourd'hui qu'on l'a prise pour l'affiche. Vous avez remarqué au Cameroun que Tap Tap Send, ils ont des affiches qui sortent partout. J'ai deux personnes. Un autre m'a dit, je suis nominé. On m'a nominé il y a des awards qu'on va remettre en Belgique. Je ne sais pas dans quel pays c'est. Il m'envoie la vidéo. Il me dit qu'on m'a nominé. Je vais gagner le prix ici. Et je vais te le dédier. Même jour, une autre m'écrit, elle m'envoie son affiche. Elle me dit que j'avais fait l'application depuis 7 mois. J'ai même oublié. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé l'affiche. Ça fait 2, 3 jours, ils m'ont demandé de renvoyer ma photo. Qui m'ont sélectionné. Que me voilà. Elle m'envoie son affiche. Que je suis devenu brand ambassador. Votre lumière n'a pas encore brillé. Je vous ai dit qu'en huile de célébrité, non. Même si c'est seulement mon sel que vous lavez avec, vous allez voir. Il dit que vous allez voir. On vous a trop cafouillé, on dit, ah, elle là, pardon. Elle là, pardon, vous appelez, pardon, laissez-la là-bas. Ils vont aller vous chercher dans l'amour que vous avez lancé là, au fin fond de l'amour. Ils vont vous nettoyer, vous vous déposer sur le chandelier. Que vous brillez sur toute la maison. Même les Decepticons sont inspirés par moi. Même ceux qui me détestent viennent dans ma page prendre l'inspiration. Si ça, ce n'est pas la puissance, dites-moi. L'autre se lève toujours, il fait le direct contre moi. Il dit qu'il va me démasquer, il va parler comment je fais l'escroquerie. On m'envoie ça en inbox. Il n'a même pas eu le temps d'aller lui dire quelque chose. Continuer ma vie. Le lendemain, je le vois dans mon direct. Il vient me faire un compliment, que tu as de beaux yeux. Je ne sais pas ce qu'il avait dit. Je veux avoir un représentant en Kinshasa. Si quelqu'un pense qu'il peut être représentant là-bas, il me dit, bien sûr, il faut payer aussi, il faut donner de l'argent. Mais j'ai beaucoup de clients à Kinshasa, beaucoup. J'ai dit au gars que, donc tu m'insultes, tu viens encore dans mon direct. Tu es inspiré par moi. Ha, ha. Ouais. Mais je ne l'ai pas supprimé. Je sais que le temps, il va passer sur ma page pour regarder. Il ne va plus commenter. Il ne va plus parler. Ils vont vous enlever du trou là où vous avez mis. Parce que le genre de force, c'est là. Comment on dit, c'est. You cannot deny it. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est trop fort. C'est l'éléphant dans la pièce. The pink elephant in the room. You cannot miss it. François Fofan, c'est quoi? Pour acheter les produits, voilà le numéro là-bas. Contactez le numéro. Vous commandez. Soyez persévérant. Vous partez sur ma page Facebook. Il y a le site internet. Vous partez là-bas pour connecter vos comptes. Vous payez. On vous envoie aussi. Il y a le site. Habituez-vous aux scènes de jalousie. On voit tu achètes ta voiture de rêve. Tu as payé l'assurance. Tu as loué la voiture ici? Non, 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 non. It's my car. It's my car. It is my car. J'ai les papiers. Et quand on vient vous dire qu'ils ont dit que ne vous attardez même pas.
Vous êtes la télé, ils sont les téléspectateurs. Je ne pense pas que Beyoncé s'arrête quand elle fait son spectacle. Elle dit que toi dans YouTube là qui me regarde, tu dis que quoi? Le show se passe anyway, anyhow. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Donc toi qui me regardes, la télé va tourner. Tu éteins la télé, tu allumes la télé tourne. Voilà votre vie. J'ai une dame qui me dit aujourd'hui que maman, je te guette sur le dit, je te guette sur Facebook chaque jour. Quand il fait une journée, je ne te vois pas. Que j'ai écouté toutes tes vidéos. J'ai regardé toutes tes vidéos. Donc, vous devez vous habituer à la jalousie. Vous devez vous habituer à leurs paroles. Que ce soit papa, maman, ton gars, ton mari, ta femme, parfois même ton enfant. C'est quand tu commences à te discipliner que ton enfant va commencer à faire les scènes. Roland de bonsoir. Vanessa Dweb, lave-toi avec le sel. Regarde mes vidéos. Ne me contacte pas. Tu as rempli. Vous allez vous habituer. Priez sans cesse. Tu crois que prier sans cesse, ça fait quelque chose? Tu pries depuis combien d'années? Tu pries depuis combien d'années? Je vous dis toujours. Hein. Pourquoi? Quand Dieu a dit à Moïse que l'esprit de mort va passer ce soir pour vous protéger, prenez l'hysope. Bien, prenez un agneau. Vous le tuez. Prenez le sang. Vous trempez l'herbe là-dedans. Chastain, Ingrid, Samou, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu viens d'arriver sur ma page. Ceux qui sont sur ma page depuis il y a une semaine connaissent comment je fonctionne. Si tu viens, tu veux pleurer ici là. Dégage. Prends le sel de 25 qu'il y a dans ta cuisine. Tu te laves avec. Ma vie ne marche pas. Ma vie n'avance pas. Toi, ta vie n'avance pas plus que pour qui? Tu vas te mettre ce soir, je ne vais pas te laver, non? N'est-ce pas? Va te laver avec le sel. Ma vie n'avance pas. Arrêtez de chercher la pitié des gens. Arrêtez. C'est comme ça que le père de ton enfant te demande toujours de coucher avec toi. Tu veux la pitié. Pitié. Il n'y a pas de pitié dans la vie, hein? Quelqu'un te donne, ça veut dire cherche quelque chose. Pourquoi Dieu ne leur a pas dit, mettez-vous dans vos chambres, vous priez. Quand l'esprit de mort va passer, il connaîtra la chambre qui a les prières. Il va connaître la chambre des enfants de Dieu. Il leur a donné une action concrète. Prenez-vous marquer la porte avec le sang. Mettez le sang. Certains parmi vous, il vous faut aller au village, vous tuez même un bouc. Je vous dis. Il vous faut aller tuer une poule. Vous êtes là, ilang ilang. Dès qu'on te parle de travail, de trucs traditionnels, ça va prendre trop d'argent. Ils ont pris, mettre sur la porte, mettre dans le sang, mettre sur la porte.
aller se coucher. L'esprit de mort arrive dans la nuit. Il sillonne. Ah ah, ils se sont lavés au sel. Oh oh, ils ont aspergé le sel dans leur chambre. No go. No go. No go. Gladys, tu vas connaître quelque chose avec moi. Je n'aime pas la paresse. À la tête de ce direct, tu as le numéro de téléphone. Si tu ne peux pas envoyer ta main cliquer pour prendre, tu laisses. Vous les femmes, là, vous êtes souvent trop paresseuses. Jesus. Bonsoir, Florine. Trop paresseuse. Tu ne peux pas chercher un peu. Tu ne veux pas chercher. Tu viens acheter tes produits. C'est là, il faut que je prenne 30 minutes pour te dire comment on utilise chaque produit. Arrête. Tout est sur YouTube. Je vais même être dit, abonnez-vous sur YouTube. Vous ne vous abonnez pas. Partez regarder sur YouTube. Vous ne partez pas. Ta vie là, hein, tu dois chercher. Tu dois travailler. Vous aimez la paresse. Bonsoir, bienvenue. Si quelqu'un me suit pas sur la page, peu importe ma vidéo, il y a toujours mon numéro dessus. Donc je ne vais même pas vous répondre. Apprenez à chercher. J'ai besoin d'argent pour commencer mon business. Ça fait 5 ans que j'attends l'argent pour commencer mon business. Tu as combien? J'ai 20 000. Commence avec 20 000. En 2 mois, les 20 000 là vont devenir 300 000. Aimez trop ça. La paresse. Pas sur YouTube. Mets ta connexion de 1000 francs. Va chercher comment on fabrique les beignets. Va chercher comment on fait les croquettes. Va chercher. Mets 2 vidéos, tu vas trouver. Je ne connais même pas comment on prépare la nourriture là. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu es en Turquie, non? Tu veux préparer la nourriture des Turcs, non? N'est-ce pas? Pas sur YouTube, tu tapes le nom de la nourriture. Tu vas voir comment on prépare ça. Ils vont dire qu'une Camerounaise qui prépare la nourriture des Turcs, prépare, tu vends. Ne soyez pas seulement langue comme ça devant les rayons. Le Seigneur bénit le travail de tes mains. Il ne bénit pas tes mains. Il bénit le travail de tes mains. C'est ce que tu touches qui prospère. C'est ce que tu touches qui prospère. Ça veut dire que tu dois faire une action de toucher. Quand tu développes ce que tu dis là, les jaloux ne peuvent plus rien. Ils vont te regarder monter. Te regarder, tu achètes ta nouvelle voiture, nouvelle maison, nouveau quartier, nouveau terrain. Non, tout chez toi, c'est que nouvelle. Ils vont checker tes statuts. Comme tu atteins un niveau où tu n'as plus le temps de poster sur les statuts alors. C'est dans les allons. La sauce gombo, le bébé. Tu bosses tellement que tu n'as plus le temps. Les statues là, tu n'as même plus le temps. Bonsoir la reine Sime. Bonsoir la reine Doudeux. Ils vont vous chercher.
que votre vibration est en train de monter. C'est en train de monter. Tu te lèves, tu as confiance en toi. Tu es dans ça, tu as passé 6 heures, tu as écouté mes vidéos. Tu crois que tu es superwoman. Tu crois que tu peux tout accomplir. Ça, c'est le Jocelyn effect. You got the Jocelyn effect. C'est la force qui est ici là qui s'active. Tu vas te lever le matin. Tu passes seulement faire. Tu vas chercher le magasin, tu trouves, tu prends le, tu loues le magasin, tu avances l'argent. Tu dis que je ne sais pas comment je vais finir l'argent, mais je prends ça. Votre nouvelle dimension, c'est que vous allez prospérer en présence des jaloux. Parce que vous avez besoin du public. Comprenez bien. Je sais que vous me regardez. Je sais. Vous avez tellement essayé de me décourager, de m'influencer. Ça n'a pas marché. Inofiwaka. Parce que vous ne m'avez pas appelé. Je sais qui je suis, je sais qui m'a envoyé. Je sais qui est avec moi. Et je sais ce que je peux faire. Le truc avec les jaloux, c'est que quand ils vont voir que votre succès est irréfutable, on ne peut plus rien. Genre, tu es incontournable. Parce que vous êtes en train de devenir incontournable. Vous comprenez? Vous êtes en train de devenir. Donc, le genre de force qui est en train de sortir en toi là. Souvent on me demande, tu crois même que tu es qui? Ne leur répondez pas. Ce sont vos actes qui parlent pour vous. Certains vont venir chercher tes posts sur Facebook, t'envoyer ça en inbox, dis que ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est moi qui ai posté, donc je connais ce que c'est. Je connais. Tu connais. Tu me demandes maintenant pourquoi. Tu veux me frustrer pourquoi? Snobez-les. Ne répondez pas. Avant, quand ils vous contactaient, comme si vous mettez hors de vous. Maintenant, vous couchez. Ils sont là. Vous vous en foutez. Hein? Hein? Je suis fâché. Tu dors comme un bébé. Hein? Pourquoi tu... Tu mets encore la couverture sur ta tête. Parce que ton cœur est pur. Ton cœur est pur. Ton cœur est pur. Il veut te déstabiliser. Il sait que quand il fait comme ça là, tu dois sortir à 4 heures pour aller travailler. Si vous faites des problèmes jusqu'à 3 heures, tu seras fatigué. Toute la journée au boulot, tu auras les yeux noirs comme ça là. Il commence les problèmes. Tu ne donnes pas. Il pousse encore. Tu ne donnes pas. Il tourne comme ça là. Tu ne donnes pas. Tu te lèves le matin. Il est fâché. Tu te dis, ah, c'est quoi? C'est quoi? Vous allez commencer à maîtriser la chose. Bonsoir les gens de Birmingham.
Tu restes comme ça, on te lance les paroles négatives. Ni chaud, ni froid. Quand il finit, tu attends encore. Pour qu'il ne dise pas que tu lui manques de respect. Tu attends, tu attends, tu attends. Après, quand tu vois qu'il n'y a plus rien à dire, tu te lèves, tu pars. Tu n'appelles personne pour dire, tu vois, il m'a. Regardez, parlez à votre fils, parlez à votre fille. Il te trouve dans la chambre que tu dors. Tu dis que d'habitude, quand elle lui parle comme ça, elle va appeler ma mère, elle va appeler mes frères, elle va appeler mes soeurs. Le temps est passé. Je connais là où je pars. Je garde mon énergie. Il y a des gens que quand vous faites des problèmes, ça te vide. Tu te réveilles le matin, on sera sans que tu ailles bagarrer. Problème sur problème. Problème sur problème. Dans l'avenir, tu ne peux rien faire. Tu es fatigué. Ton esprit se bat trop contre la personne-là. S'il le faut, pas. S'il le faut. Parce que quand tu parles, ça reste, tu parles encore. Garde ton énergie. Il y a des gens qui rentrent à la maison, ils t'énervent, ils sont contents. Il a pointé sa journée. Et comme tu connais Bavada, alors là. Ok, c'est quoi? Chut. Il a fait un problème, tu es mal en cela. Tu souris un peu. Après, il se fâche. Je te parle, tu ris. Ton énergie, c'est la clé de ta vie. Ton énergie. On dit dans mon patois que Tom, non, arrête ton corps. La jalousie, elle va venir de tous les côtés. Hein. Ta meilleure amie. C'était ma meilleure amie pourtant. C'était ma. Quand tu montes, à un moment, ça va trop flagrant. Tu crois que tu es arrivé. Tu n'es pas tout à trouver ici à Bruxelles. Moi, c'est moi qui t'ai monté les magasins ici. Non, tu veux montrer que tu fais le commerce et puis que qui? Tais-toi. Ne te bats pas contre eux. Tais-toi. Bonsoir la reine Ado. Vous devez être focus. Focus. Tu te lèves le matin, tu as dit que je dois pointer 100 000 aujourd'hui. Je dois pointer 500 000, 1 million. Objectif fixé. C'est quand tu vas te lever là que tu vas voir.
problème, problème, distraction. Refuser. Refuser. Comme vous voyez, 2h30. Et j'ai hâte de parler. Pardon, partagez ma vidéo. Oh. Et tentez pas de me dire que je suis fatigué. Et tu es fatigué, va te coucher. Je suis dans mon pointage. Claire Estelle, ce que tu viens de dire, ça a quel rapport avec ce que je dis? Hors sujet. Je vais te supprimer sur ma page. Devenez sage. Devenez sage. Je vous dis en avance parce que les jaloux sont en train d'arriver. Le genre d'argent qui vous guette. Le genre d'argent qui est en train d'arriver. J'ose ou c'est glamoureux. Moi, je supprime les gens sur ma page. Tu parles, ça ne me plaît pas, il t'avertit. Tu continues, il te bloque. Il ne blague pas, moi. Je vous dis, moi, ouah. Le genre de gens qui sont en train de venir vers vous, vous devez vous préparer. Un jaloux. Ah non, passons, continuons. Un faux message. Ah non, continuons. Vous n'aurez plus le temps. Tu choisis ton focus. Le gars te quitte à 10h. À 12h, tu es en train de faire ton direct. Ou à 12h, tu es en train de faire ton business. Il dit que mince. Je crois qu'elle m'aimait. Je crois qu'elle m'aimait. Donc, tout le ménage que j'ai fait, c'est là. Ça la déstabilise pas. Ça l'énerve encore. Ancrez-vous. Les émotions ne doivent pas vous bouger. Tu te lèves, tu dis que je dois aller faire ça. Parfait. Je dois aller faire ça. No one, no one. Tu es vraiment prêt pour recevoir l'argent. Je sens, il y a l'argent dans ta vibration. Sur ce, je vous bénis. Que votre connexion aux ancêtres, au Saint-Esprit, à la Vierge Marie, aux anges, soit renforcée pendant cette nuit. Qu'ils vous parlent distinctement. Que vous n'oubliez pas leurs instructions. Qu'ils vous fortifient. Il vous guide, vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Paix sur vous. Bonne nuit.